Et bien entendu, nous ne pouvions pas parler de l'actualité sans évoquer le Japon et la catastrophe nucléaire qui s'y déroule, un sujet qui nous inquiète particulièrement ici en France et en Savoie, puisqu'en 1986, le nuage de Tchernobyl était venu passer un petit séjour au-dessus de nos têtes. Et c'est pourquoi, pour vous rassurer, nous avons fait appel à un spécialiste de la physique nucléaire, Johnny Hallyday. Johnny, on ne savait pas que vous vous y connaissiez un petit peu en physique nucléaire. Ah, que vu le nombre de scanners, de radios et d'IRM que j'ai passé ces derniers mois, croyez-moi, je commence à en connaître un rayon sur le nucléaire. C'est une tragédie. À cause de cette histoire, Laetitia n'ose même plus aller dans le rayon lessive quand elle fait ses courses. Bah oui, ça fait des années que pour le linge, elle utilisait de la gamma. Et en ce moment, tous les spécialistes, ils disent que le rayon gamma, il est très dangereux. Est-ce qu'on nous aurait menti? Quand je pense que pendant des années, je lui ai interdit d'utiliser de l'homo de peur d'attraper le sida avec mes vêtements, c'est que je m'en veux. N'importe quoi. Et croyez-vous qu'on nous dit tout à propos des mini-silver relâchés dans l'atmosphère? Ah, que je crois qu'on nous cache des choses. Écoutez, ça fait une semaine qu'on nous parle des mini-silver. Mais c'est qui cet Émilie Siver, hein? Vous l'avez vu, vous? Personnellement, moi-même, j'ai pas vu une seule photo d'elle, ni dans les journaux, et pas même dans Paris Match. Mais qui qu'elle soit, si elle craint tant que ça, on devrait pas la relâcher dans l'atmosphère, non? En fait, je vais vous dire, après analyse mentale de mon cerveau, je crois savoir qui c'est. Oui, on nous dit que c'est quelqu'un que personne ne peut voir. Qui est potentiellement dangereuse et dont on n'arrête pas de parler en ce moment. C'est pour ça qu'à mon avis, Émilie Siver, en fait, c'est Marine Le Pen. Alors, au lieu de la relâcher, on ferait mieux de la confiner. Et puis, ça la changerait pas beaucoup puisque son père est déjà un confini. Pierre Gasparini sera en chair et en os au Festival d'humour d'Arèche-Beaufort entre le 6 et 8 avril. Et évidemment, on en reparlera de ce beau festival ou en couleur prochainement dans l'heure de la sortie. Et si vous voulez revoir ce qui s'y passe, notamment dans le studio de France Bleu avec Pierre le vendredi soir, vous allez sur YouTube, Imitation du dimanche.